Salut à tous, aujourd'hui nouveau vlog, nouveau toit émeraude, c'est parti, on va essayer d'aller trouver ce toit. Je suis pas encore très sûr de l'endroit par lequel je vais accéder, en tout cas c'est un nouvel épisode, j'espère que ça va vous plaire, on continue notre aventure. Peace. Bon, je crois que j'ai trouvé un accès sympathique, je vous le montre. Donc voilà, en gros l'idée ça va être d'arriver à grimper tout ça. Donc là, c'est par là, 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 ici, et puis ensuite, je vais décoller par là pour accéder à une échelle beaucoup plus haut. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Bon, bien voilà. Finalement, j'ai réussi à accéder au toit. Le temps, il est vraiment magnifique, j'adore. C'est vraiment magique. Cette petite exploration va être bien pumped up, je le sens. Et là pour l'instant le défi ça va être d'arriver sur le toit vert qui est juste là-bas, là je sais pas si vous le voyez très bien. Mais donc en gros il va falloir que je fasse tout le tour par ici je pense. Et ensuite que je reparte, enfin bref, on va essayer d'y arriver. Continuons notre trajet, j'ai plus trop de batterie dans le stabilisateur, donc je pense qu'on va repasser en mode POV. Je pensais l'avoir chargé suffisamment mais pas assez, je crois que ça prend 5 heures. En tout cas je repasserai de toute façon en POV, donc en gros là on est plus très loin comme vous pouvez le voir, le toit vert est juste là-bas. Donc allez, direction mode POV, 3, 2, 1, go! Et voilà, on est de retour en mode POV. Alors on va bien s'éclater. Allez, direction là-bas. Ok. Je crois que j'arrive à accéder directement là-bas. Ce qui est intéressant en soi. Je sens que ça va être assez valide. Easy. Easy. Ok. Cool. Accès extrêmement facile. Une caméra 360 là. Ça c'est relou ça. Bon, c'est pas grave. On cherche quand même. On cherche à vite. Est-ce qu'il y a une caméra 360 juste là? Et j'en tirerai, mais pas le tirer l'attention. Hop là, on l'a trouvé. Parfait ça. Superbe, magnifique toit en cuivre. Ouais, il est génial. Wow, c'est joli hein. Il y a un reste de là là je crois hein. Par exemple celui-là, petite montée là ça va être cool. Là ici. Ah c'est pas mal, hein. Ouh, très sympa cette petite excursion. J'espère que je vais pouvoir faire un peu de parcours ici avant que quelqu'un vienne me débusquer. Puisque, à la différence de Monsieur Vin, je cherche à ne pas être débusqué et je ne cherche pas à débusquer l'habitant. Au contraire, je fais plutôt l'inverse. Ah, c'est plutôt cool. Ah oui, ce saut-là, il est
quand même badass. Donc ça ferait de là à jusque celui d'en bas. Donc ça fait un bon petit fond dans les jambes, mais ça se prend. Hein. Je pense qu'on le fera tout à l'heure, une fois bien échauffé. Et limite, je crois qu'il y a une course précision un peu plus loin là-bas. Allez, on va continuer. On fait quelques sauts. Je vous sens chaud là. Allez, un petit POV. C'est parti! Bon, en gros, l'idée c'est de partir de tout là-haut et de sauter jusque là, sachant qu'il y a quand même un peu de vide. Donc l'idée c'est d'atterrir par là et de vérifier un petit peu les appuis, les prises d'impact. Je pense que vu la hauteur de là-haut, je vais atterrir sur la deuxième plaque, c'est-à-dire celle-là, histoire d'avoir quand même une marge de manœuvre au niveau du bord. Et je voulais être sûr que voilà, ça, par exemple, vous voyez, sur le bord, ici, et eh ben c'est un peu plus fin, c'est-à-dire que si le pied se pose là, il y a des grandes chances que je me torde la cheville et c'est pas du tout le but sur un mouvement comme ça. Donc on va essayer de placer les mains sur la zone du mur qui est ici pour se dégager et ensuite partir dans cette direction là. Ce qui est largement suffisant pour être cool, pour faire une belle image, une petite partie de 99% sur ces vlogs là. Et puis voilà, donc bon, allez, on y va. Allez, on se met direct devant le saut, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on y va. Bon, ben voilà. Petit saut réussi. Donc, l'impact est quand même important. Il y a quand même bien 2 mètres, 3 mètres, hein, 3 mètres 50 à peu près sur ça. Donc, l'impact était pile là. Le stress qu'il y a sur ce genre de saut, c'est qu'on n'a pas envie de décaler en fait tout simplement sur la gauche, ce qui paraît logique aussi en soi. Mais la force de l'impact, on ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer, donc c'est très important de calculer ça. Et donc le fait que je me redécale sur la droite, déjà ça veut dire tout de suite que je ne suis pas capable de garder la même trajectoire sans rebondir. Donc si je dois rebondir, il faut que je rebondisse tout simplement vers la droite, c'est-à-dire vers la zone sécurisée. Quand j'atterris ici, vous avez pu voir que je me suis automatiquement décalé, parce que même s'il y a un rebond ici, si jamais je remonte et qu'il y a n'importe quoi ce qui se passe ici, je peux tout de suite aller vers la gauche. Donc vraiment sécurité à droite. Voilà, ben on va continuer à explorer un petit peu ce petit toit. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît et on continue. Allez, c'est parti. Ma petite photo de la journée et là je vais redescendre parce qu'en fait je vais réparer encore le toit. Je vais devenir couvreur, c'est pas possible. Allez, on va essayer de réparer ça. Alors l'idée ça va être d'aller chercher ça, le reste sur le toit ici, parce que ça en fait ça fait des fuites d'eau et ça permet de retenir les fuites. Je pense qu'avec le vent ou une tempête on voit que c'est vachement moins fixé. Hop. Alors, tchao là-haut. Voilà. Alors. Il y a une pièce de zinc qui se verra ici. Voilà. Hop. Hop. En espérant. En espérant que ça ne se barre plus. Avec la descente, le vent, j'ai peur qu'il le prenne ici. Bon, c'est l'avantage aussi qu'il y ait des grillages de protection à ce niveau-là. Mais bon, ça évite les fuites déjà pour les gens qui habitent juste en dessous, voilà. Donc on n'est pas ici pour dégrader, je le rappelle, on est ici pour visiter. On arrive comme des chatons et on repart comme des chatons.
Salut YouTube, aujourd'hui vous me rejoignez sur un de mes premiers Toit Emeraude, donc les vlogs et la série qui va durer un an exactement. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo là, spécifique en tout cas pour celui-là, comme vous pouvez le voir, sur des toits vraiment magnifiques. Donc des toits qui ne sont pas en zinc mais en cuivre et qui sont devenus de cette couleur verte magnifique à partir d'un orange, en tout cas basique qu'avait ce matériau en tout cas. Bon bah voilà, fin de cette petite aventure, donc je vais redescendre tranquillement, en tout cas avec un petit peu de musique. Donc forcément je vais vous en mettre. Allez, on est parti. Aventure, très bientôt les amis. Allez, peace.